encore sur le centre de mobilisation. Et nous avons dit, c'est Malcolm Gachon pour nous appuyer pour nous être capables de commencer à la gloire de Dieu. Bon, c'est bien, non? Marc-Santé pour nous 50, Créole, sans doute pour la gloire de Dieu. Prends la vie, Seigneur Jésus, moi je veux consacrer ma vie. Prends chaque heure et prends chaque jour, tout à moi, les noms et haut, tout à moi, les noms et haut. Promets-moi, Jésus-Christ, et servis à Dieu, t'en prie. Propiez-moi, yo, tout Seigneur, pour courir, pour toute l'heure, pour courir, pour toute l'heure. Renvoie-moi, équipez-moi, chantez pour vous qui, moi, prends-le-moi, yo, remplis-yo, à vous qui sorti, en haut, à vous qui sorti, en haut. Prends-le-moi, à la jambe, tout ça m'gagne, c'est pour vous. Prends-le-moi, à tout passe-moi, servi à Dieu, je la fin, servi à Dieu, je la fin. Prends volonté, femme, Seigneur, ça ouvre, c'est ça, ma fin. Prends que moi, libre en tout, libre. Servir la caillou, l'iva, servir la caillou. Prends-moi, moi, Seigneur, moi, fais-le pour vous, bagaïsain. Prends-moi, même, le vivre toujours, à toute force, seulement pour vous, à toute force. Pas seulement pour. Seigneur Dieu, trois fois saint, assoyez à nous, viens nous prendre la vie, nous. Prends la vie, nous, prends volonté, nous, Seigneur. Prends l'argent, nous, Seigneur. Nous voulons chanter pour vous, nous voulons louer, parce qu'on mérite gloire, on mérite louange, Seigneur. L'éternel Dieu, trois fois saint, nous venons demander à soya, prends volonté nous. Pas quitter nous faire affaire pas nous, mais faire nous faire ça que vous voulez pour nous faire. Parce que Seigneur, c'est vous-même qui t'es mouru pour nous. Pas que l'autre monde qui t'es mouru pour nous. Éternel Dieu, trois fois saint, mais pasteur Wilner, nous levez le vent. On m'a d'autant pris, fais le cadeau toucher, fais le cadeau de portion, Seigneur. Et bien, je dis à ce fait, maman, nous m'a d'autant pris, papa. Bye maman, en pilote année encore. Et m'a dit autant pris, papa, ou même qui compte toucher que. T'as pris Jésus, parlez à papa pour moi, pour pasteur Wilner, pour maman capable de venir nous. Parce que vous dit, si papa n'a pas attiré au monde, il n'est pas capable de venir nous. T'as pris Seigneur. C'est papa attiré, maman serviteur. Jésus sauvé parmi nous. Nous vînons côté parce que c'est nous-mêmes nous gagnons. Nous ne pas servir l'autre Dieu ni l'autre bagaille que nous-mêmes. Nous demandons tant pris papa, bah nous intelligence pour nous comprendre sa serviteur a dit et puis pour nous mettre en pratique dans la vie. Non. Pas quitter nous monter pour monter par habitude parce que nous avons rendez-vous nous monter. Non. Nous monter pour nous apprendre. Nous monter pour nous changer. Nous monter pour nous faire volontaire. Nous monter pour nous obéir à parole. Et nous demandons bah, nos connaissances, Seigneur, qui sortit en haut. L'Éternel Dieu, trois fois, c'est mais chaque monde qui nous a branché.
nous m'avons tant pris, pas quitté pendant une heure ça, je n'en fais manger, c'est laissé à balé caille, c'est laissé à occuper tout le monde. C'est une heure temps que y a baoua, pour passer une heure temps exactement avec vous-même. Tant pris, Seigneur, nous m'avons rempli serviteur à soi. Quel jour nous grâce spéciale, je dis à la main. Et nous-mêmes, tout Seigneur, pour nous jeunes, une grâce spéciale. Nous m'avons autant pris, couvrir maman, protéger maman, diriger le Seigneur, faire une faveur devant Dieu et faire le cadeau en pile l'autre année, en compte Seigneur, avec toute bénédiction la donne. Nous m'avons papa, tant pris, souplir, accepter prière, là, il a de toute grâce sous son nom. Au nom de Jésus, qu'a prié, pas seulement pour Assoya, mais pour tout temps qui vient tant. Amen. Amen. Avec nous, pasteur William pour la gloire de Dieu. Amen. Bien aimé, Batsoulino. Bonjour, Lénino. Frère Seguinimi, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Et maintenant, nous profitons de l'occasion pour nous saluer fidèles auditeurs, auditrices de Radio Discipio qui écoutent nous et à travers les ondes Internet. Et nous avons dit la paix, bon Dieu, ensemble avec vous. Et à ce encore, c'est un plaisir pour nous retrouver nous ensemble. Et je lundi qui c'est 17 mai et de l'année 2021 et pour la étude nous et chaque lundi nous connaît qui la question et commentaire. C'est un plaisir pour nous avec vous à ce soir. Et tout de suite nous va les retrouver nous dans le livre de la Genèse chapitre 24 à la gloire de Dieu. Le livre de la Genèse, chapitre 24, à la gloire de Dieu, c'est là, dans Pia Soya, pour nous capables d'étudier ensemble. Dans Genèse, chapitre 24. Et, nous, on va demander, c'est Marie-Cam, elle va faire une portion de lecture pour nous, parce que la lecture est très longue. Il y a une portion de lecture qui va sortir dans Genèse 24, verset 1, et jusqu'au verset et nous capables de dire jusqu'au verset 36, du verset 1er jusqu'au verset 36, et mettre l'autre portion, Genèse 24, du verset 37, jusqu'à la fin, avec un servant, non, la sœur Albert, à la gloire de Dieu. Et bon Dieu béni, c'est Marie-Cam. Bon Dieu béni, Genèse 24, verset 1 à 35, c'est ça? Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mets, je te prie, ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils, une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui dit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais. Faire seulement, tu n'y
mènera pas mon fils. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur. Il se partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nakhor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits. Du temps, du soir, au temps où sortir celles qui vont puiser de l'eau. Verset 12. Et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur d'Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et une bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta couche, je te prie, pour que je boive. Et qui répondra, bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'y avait pas encore fini de parler que sortit sa couche sur l'épaule Rebecca. Né de Bethel, fils de Milca, femme de Nakhor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, laissez-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta couche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa couche pour sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Verset 20. Et elle s'empressa de vider sa couche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement. Et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids et 2 siècles, et 2 bracelets, du bras de 6 siècles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Il y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethel, fils de Milca et de Nahshon. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur, moi-même. L'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut devant vers l'homme près de la source. Il y avait vu l'aïeau et les bracelets. Il y avait aux mains de sa sœur.
et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Et il dit, viens, béni de l'Éternel, pourquoi resteras-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il donna, verset 32, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme, les pieds des gens qui étaient avec lui. Verset 33. Puis il dit, non, puis il lui servit à manger, mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions. Mon Seigneur qui est devenu puissant et lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme, oh, c'est pour ce Aldoise. Sarah, la femme de mon Seigneur a enchanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays duquel j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne vaudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici. Je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi voir, je te prie, un peu d'eau de ta cruche et qui me répondra, bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler à mon cœur, voici, Rebecca est sortie. Sa couche sur l'épaule, elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa couche de dessus son épaule. Elle a dit, bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu, fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fille de Nachor et de Milca. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Puis je me suis inclinée et prosternée devant l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prise la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va. Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel.
Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi le riche présent à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Chaï-Waï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient de les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devait sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Amen. Et nous soutenons en longue lecture. Et nous comptons, et comme toujours, et comme à l'ordinaire, question pour vous, c'est comment comprendre Genèse chapitre 24 là, comment comprendre, nous voulons entendre l'opinion de chacun, et si vous avez un titre pour bail tout, m'attendez où, et si vous avez un titre pour bail chapitre là, et nous attendez où, et jusqu'à pour nous-mêmes tout, pour nous capables d'intervenir, pour nous capables un peu d'explication. Et bon Dieu béni. Bon Dieu béni, nous. La paix, bon Dieu avec vous, c'est Albert. Aussi, j'aime tout un chapitre, non? Moi, ouais, comment que la famille est très importante et comment que famille influencer l'autre côté que. Famille n'a supporté l'autre et pour les l'autre. Parce que j'aime comprendre que Sarah mourit, et puis Abraham lui-même qui a avancé en âge, lui voulait assurer lui que le quitter seul petit Sarah, c'est gagné, hein? Lui voulait assurer que le quitter en de bonnes mains. Mais cependant, lui pas pareil de quitter dans le pays côté que lui a dans Canaan, lui pas aimé pour aller dans le pays. Natif natal li, comme on dit côté parent li, li ta remè que petit ça, parce que nous pensons que c'est ça peut-être ça la ta remè tout, alors ta remè que li marié avec moun qui saute dans la famille. Et puis c'est comme ça li bal l'ode, et puis bon Dieu lui-même, dans la souveraineté, li exécute l'ode. Dans li fait bon Dieu, ça va y passer exactement chant de Dieu, et puis les serviteurs en arrivé, exactement chant Abraham de voyer là, tout ça que dit. Et lui, bon Dieu lui-même accompli, l'exécuter l'ordre, il fait tout bagaille, fait même genre, et puis Rebecca lui-même qui accepte aussi. Alors c'est comme ça que je comprends que famille, vraiment, c'est Dieu qui est choisi. Mais ça aussi, je comprends tout. Moi, je marque que le Kounia et le serviteur arrivé Kounia dans la famille, moi, ouais, que comme si maman à l'école, moi, ouais, que c'est papa avec frère qui a négocié.
comme d'hab, c'est juste le libre-aller. Et du moment où il y a apparu sur le côté, on t'a aimé pour ta fonctionnalité. C'est comme si le gros c'est là qui est porté, qui est sous table. C'est comme si moi, mes dames, je parle à donne. Même j'en tout, c'est une zone de tout, le bon Dieu t'a réveillé Abraham. Et le témoin de le sacrifice dans tout, Abraham pas demandé. Parce qu'on n'a pas demandé Sarah à ville, il dit mais Isaac pour continuer, il va parler avec Sarah. Là encore, moi, répète encore côté que l'allée, la Kalia, il ne pas parler de moment comme si moi vient une après, c'est frère avec Bethuel, avec Laban, c'est même pas négocier pour Rebecca. Et puis Kounia, c'est comme Dadou, et puis des derniers mois, Kounia, c'est la banque vingé, même pas papa non, c'est la banque vingé. C'est comme ça que moi comprends ni. Jusqu'à présent, je suis capable de dire peut-être, pour me tenir à cabalon titre, je suis capable de dire l'influence de la famille, ma connaissance, c'est ça que je pense, ma fait la parole, on a fait ma routine encore s'il le faut. Bon Dieu béni, non. Eh bien, bon Dieu béni, merci beaucoup, c'est Albert, et nous voulons des interventions, et on l'autre servante, ou bien serviteur, et dans l'étude de la soeur, qui c'est dans Genèse, chapitre 24. La paix, bon Dieu à zéro. Bon Dieu béni, non? J'en prie pour continuer à ça. C'est Albert Dia. Et dans l'époque, ça, il y a ces garçons qui étaient campés, qui étaient prêts à décision. C'est venu après, parce que Fia lui-même, il est tellement émotionnel. Toute bagaille l'a excité, toute bagaille l'a peur, conseil de décision. Garçon yo prenant avant sur so, l'air au fin prendre et puis s'il de faut y a mettre il y a au courant et nous wè Jean que bagay yo planifia et puis bon Dieu c'est des plans bon Dieu tout parce que bon Dieu fait bagay yo step by step Jean te dit le bon Dieu dit mon bagay pour te mettre ouais année passée année tournée bah elle a pas réussi mais elle a réussi quand même parce que bon Dieu fidèle la fidélité de Dieu non ouais que bah elle a fait Jean exactement serviteur à Évrier on a avancé nous merci beaucoup c'est Malcolm nous voulons attendre opinion. Et pendant ce temps, nous voulons tout que vous capables de sous le chapitre là ou non, ou même si comment qui non cap bas chapitre là, ils auront à nous avancer. Merci Sébastien. Je suis capable de dire la dernière parce que moi, ouais, tellement Abraham Terre, mais aussi le petit garçon Isaac, il est pour mourir. Il va avec tes petites liens, mais que le propre monde pour aller souffrir. Pour aller souffrir parfois. Ou qu'on petit tour, mais tellement. Et puis, petit tour, le mari avec le monde. Si on a souffrir, qu'on a Abraham pas de ça. Il y a des petites tours tombées dans que n'importe l'autre monde. Et ça, c'est le thème. Il était parlé avec ses vite domestiques. Hein? Il était fait aller chercher dedans. Et puis, malgré tout ça, il était sérieux. J'ai dit, c'est comme ça s'est passé. Ça a été passé et ça fait, je vais dire, c'est bon Dieu qui choisit, qui te choisit, et madame, non pour Abraham, non pour Isaac, Rebecca, parce que c'est la foi Abraham tout, parce qu'il te fait serviteur à faire serment, et puis ange bon Dieu, tu as fait travail à tout, et ange bon Dieu, tu participes la dame tout, malgré les gens de dire comment ça a passé, qui viennent faire les. Jusqu'à ce que l'autre femme contente, peut-être qu'on a grandi ça longtemps à l'époque. Parce que c'est qu'il n'y a pas de maman, mais pas de l'autre monde. Si au monde, leur gros petit, c'est pas toujours choisi le monde pour ni pour chien, ni pour garçon, hein, pour ne pas tomber de mauvais côté. Mais quand il y a un autre, ça n'a pas de ça, quand il y a. Si on ne fait choix pas pour continuer, il parle mal la prière, puis on dit, mon Dieu. Mais fait choix pour yo, vous avez des bon Dieu dans sa tête, Kounia. Vous avez des bon Dieu, ça fait un pile pour échec. C'est dans tout ça à faire, vous toujours mettez bon Dieu en premier, vous avez des premières places, vous avez des premières places, tout ça à faire, on va réussir. Parce que si y a pas à faire comme ça, vous avez des premières places, vous pouvez choisir, vous pouvez dire,
Isaac a réussi. Alors, je demande de la cause d'Angela. Angela, moi, j'ai porté la dame tout. J'ai porté la chasse et madame pour Isaac là. On a continué. On attend des opinions. Merci beaucoup, c'est la 6. Et on attend des opinions. On a avancé? La paix avec vous. La paix, bon Dieu, avec vous. Parce que, on était capable de dire, décision ça qui fait ça, c'est pas une décision l'homme fait comme ça. Son décision, avant de marcher, était faite, bon Dieu, était guetta, et a parlé des décisions ça. Parce que tout le bagaille qui fait, c'est pas bagaille comme ça qui fait. Bon Dieu, t'as dirigé tout bagayou. Bagayou, senti bien, Jean, Abraham, t'es venu. T'es taré, mais pour t'es sorti, c'est comme ça, il est sorti. Bon Dieu, t'es béni, décision. Et non seulement tout, Abraham, t'es quoi dans bon Dieu, et t'es connaît, c'est bon Dieu, qui t'aide à faire ta bagayou. Qui cause que, il est capable. J'en ai côté le dev depuis que c'est arrivé, et l'hiver, c'est là, ils sont arrivés vraiment. Que tout le bagage est passé bien, mais c'est bon Dieu qui était en charge. Tout le bagage, ça, qui fait qu'il était fait, il le fait comme ça. Et ça que moi, t'as remédié comme un signe, que ça s'est fait par l'aide de Dieu. Qui fait bagaille, ça fait comme ça. C'est ça fait toute bagaille. Faites bien, et couple là, béni, depuis au commencement, jusqu'à la fin. Et me croit tout, à cette époque, ça n'a pas de problème pour que yon parent rencontre avec un parent pour te faire un mariage. Bon Dieu qui te voulait le faire comme ça. Pas de gros bel mal là. Parce que là, bon Dieu décide pour un bagage fait. C'est tout ça décidé, il a sorti bien. Parce que c'est bon Dieu qui connaît tout ça qui est bon pour et tout ça qui n'est pas bon. C'est ça, on est capable. Oui. Même, nous ne connaissons pas si il y a un autre temps, c'est 20 ans ou bien c'est vite qui vient pour nous avoir une opinion. Et l'opinion sur l'étude qui est dans Genèse, chapitre 24, à la gloire de Dieu. On va continuer l'autre. Mais non, l'appelé chapitre là, où le pasteur il a dit comme si nous avions un titre pour chapitre là. Moi-même, titre, moi, je me suis pour chapitre là. C'était l'obéissance. C'est l'obéissance qui travaille là. Parce que si Isaac te gen droit, Abraham te gen droit vle choisir une femme pour lui, mais il te gen droit dire non, mais il te obéi. Il te obéi à papa, il toujours obéi à papa. Ouais, et puis Rebecca tout, ouais, gen en pile obéissance. Parce que c'est papa lui qui entre en jeu dans tout bagaille ni Isaac tout ni pour Isaac tout c'est papa qui entre en jeu, vous comprenez? Donc tu t'es obéi et tu t'es obéi à la voix de Dieu, senti que bon Dieu est dans cause là qui fait yo obéi, vous comprenez? Et nous savons que Isaac t'es vraiment obéissant, c'est parce que sous obéissant bon Dieu a fait ouais a fait ou que en fait bon Dieu a pu aider ou dans toute sa section du thème de pour obéir à lui-même. C'est ça, m'a dit l'obéissance d'Isaac et de Rebecca, c'est tout ça, m'a dit qu'à bah, chapitre là. Et puis pour moi-même, tout cela, si je suis capable de dire tout, obéissance, m'a dit là, je suis capable de mettre l'obéissance pour domestique là, tout, parce que domestique là, elle t'a parlé tout prier tout. Les prier, bon Dieu, les dit, bon Dieu,
Et puis, il fait serment, Abraham, il fait serment, il fait serment. Il mettait maintenant le germe Abraham pour le sermenter. Il dit, bon Dieu, tout ça, Abraham dit, là, il faut faire tout rivé pour lui. Et puis, tout le monde était domestique Abraham, non, domestique Abraham, non. Il était quoi dans la parole, bon Dieu, parce qu'il était voulu obéir avec loi Abraham Balian. Ça, Abraham dit le faire. Il était voulu réussir à ça, Abraham dit le faire. Et ça fait, domestique a été prié, et puis Jean-Abraham vous est là, Jean-Abraham dit, vous ne pouvez pas passer comme ça. Un gars va me dire, obéissez à domestique, domestique va faire à ses pales. Et même Jean-Bon était voué, Jonas, fait un bail, Jonas allait le faire, ça va nous dire, et pas le faire, bon était fait façon, c'est valable. Même j'ai l'abonné de Moïse, pas frappé Wesh là, Moïse frappé Wesh là, ça c'est Moïse, pas privé dans Canaran. Quand il y a la domestique, ça n'est même ni temps d'Abraham. Ça, Abraham dit ça, c'est lui-même ni fait. Et ça, ça me dit, c'est un petit radio, obéissance, un grand babou, obéissance, on n'a plus respecté le domestique de préférence. Parce que le domestique qui t'a fait ce travail-là, c'est Baptiste qui t'a fait lui. Moi, ouais, tout la fidélité de Dieu, et puis moi, la fidélité aussi du serviteur d'Abraham. Yeah, c'est ça, c'est plus serviteur là. On peut se brancher parce que c'est lui-même qui fait travail. C'est lui-même, Abraham voyait là. Abraham dit ça, c'est lui-même qui fait. Il obéit avec Abraham. Et puis il a prié pour Dieu tout parce que pour qu'il réussisse, pour qu'il soit Abraham satisfait de ce qu'Abraham voyait le faire. Parce qu'Abraham pas de voulait petit après les potes filles. Abraham pas de voulait petit lien à le profit d'un pays par Abraham. Parce qu'il dit bon Dieu, par l'autre côté, il a tout petit lien. Héritage de Balian. Quand Dieu mettait là, c'est Abraham qui te dit, il va dire à toi dans le pays que Abraham t'est sorti. C'est obéissance avec serviteur Abraham, non, capable de dire moi-même, ou moi-même. Je comprends tout, leur bon plan et bon Dieu la donne, bon Dieu toujours fait route pour vous. Qui veut dire, bon Dieu fait bagaille, parce que comme il y a tout bagaille bien accordé. Parce que bon Dieu la donne, c'est plan bon Dieu, et du coup, il y a bon Dieu fait provision. Tout bagaille passe exactement, Jean, bon Dieu fait plan. Donc, moi, je t'ai prié avant tout. Avant là, je t'ai prié, bon Dieu. Je demande, bon Dieu, ça. C'est vite là. Qui fait, bon Dieu, fait tout bien passer. Yeah. Ok, bon Dieu, bénis-nous. Bon Dieu, bénis-nous. Nous sommes contents. Nous attendons diverses opinions, des frères, mais nous n'attendons attendons aucun monsieur intervenu. Et il n'y a pas de garçon qui est en ligne. Eh bien, nous comptons. La paix, bon Dieu avec vous. La paix, bon Dieu avec vous. Et ça, moi, je comprends, oui, parce que les chiens réellement long. Et ça, me réalise, pas oublier, il y a une promesse là qui fait. Et Abraham lui-même, depuis la promesse là, t'es faite. Ça veut dire promesse la continuer, il n'y a pas qu'à la gueule dans n'importe qui. Il y a un chemin là qui est supposé faire. Et nous, ouais, les tulans très longues, il n'y a pas qu'à la blague petit. Dans n'importe qui. Et plusieurs sujets nous sommes capables et dans le chapitre, moi, ouais, comment choisir une femme pieuse. Nous, ouais, comment ça, toute lecture là, ça fait plusieurs fois, moi, ça voulait bail, moi-même, à partir de ça, moi, fait lecture. Mais seul, ça me devait ajouter, il y a une promesse qui fait. C'est pour promesse là, continuer. C'est une raison qui fait le pas de vrai, pour petit, il y a le prendre n'importe monde. Parce que gen moun c'est où est la ligne familiale là, ça veut dire le sang appelle le sang, gen yon sang là. Gen yon sang là puisque c'est ligne familiale là, ça veut dire que pas gen erreur dans ça qu'a fait là. C'est pour promettre ça capable accompli. Moi gen plus moi t'a dit même vrai rester là, la paix bon Dieu avec vous. Amen. Amen. Merci beaucoup et c'est l'autre.
Eh bien, pour nous comment, pour nous capables, nous-mêmes, pour nous intervenir, moi-même et c'est Pasteur Willy Antoine, pour nous intervenir, si nous avons chapitre là ou non, et comme et plusieurs et versions bibliques, hein, nous lisons dans la version Louis Segond, hein, je dis c'est Rebecca demande en mariage par Isaac. Et nous avons une version semaine là qui dit comme ça, c'est le mariage d'Isaac. Mais moi-même, hein, le titre m'a baillé un chapitre là, m'a pris l'île le mariage chrétien. Où est nom Bali? M'a l'île le mariage chrétien. Et jusqu'à m'intervenir, je vais dire soit faire le mariage chrétien. Et le mot clé qui parlait là qui fait il y a pile le mot qui dit mais il y a deux mots une saisie qui parlait de une promesse et il parlait des semences je vois et nous capable avancer qui veut dire avec mot ça et nous parlait plusieurs monde parlait aussi de la fidélité je vois même la fidélité. Eh bien, et le chapitre ça, l'on a mis, comme si, et l'on a mis attaché avec le fait promesse, ça veut dire, ou même, ou, et, qui fait promesse avec ou tout, ou besoin respecter promesse ça. Bon, le Seigneur fait promesse avec Abraham. Et regardez, il y a, nous changer, là, nous t'appelons comme Abraham t'inquiète. Et dans le chapitre précédent, dans le chapitre 16, on m'a dit qui est pour le fait qu'il n'y a pas de coquin en descendant. Il va trouver qui est-ce qui l'a vérité. Mais quand il y a, dans le chapitre 24, là, Isaac est en grandi, Abraham avancé en âge, et qui était une jour bien-aimé, et Isaac est en à l'âge de 40 ans. Et Abraham est en 140 ans. Nous, comment va aller vite? Isaac est à 40 ans et Abraham est à 140 ans. Qui veut dire, Abraham connaît, il n'est pas là et pour tout le temps. Il faut promesse là, qui veut dire, il faut promesse là accompli. Et promesse là pas qu'à accomplir n'importe qui, Jean. Mais lui? Eh bien, Abraham, en tant que monde, entendez bien, oui? En tant que monde qui a la crainte de Dieu. En tant que monde qui a respect pour mon Dieu qui l'a servi, il faut lui accomplir le voile correctement. Il faut lui accomplir le voile correctement pour faire mon Dieu plaisir. Eh bien, c'est ça que fait. Et il y a deux frères qui veut dire nous devons noter, qui est très important, qui veut dire dans le chapitre là, c'est que Abraham n'a pas décidé de choisir une fille dans la femme cananéenne pour Isaac. Il n'a pas décidé aussi pour Isaac aller, c'est Isaac qui voit le pays, qui voit le point de fille. Oui, c'est deux grands frères que vous avez besoin de noter. Eh bien, jusqu'à ce que nous venions. Et avec Fessayo, pour nous expliquer nous-mêmes dans le temps où pour nous venir avec, dans le temps où nous sommes, le voir que nous gagnons envers Dieu. Les nous sommes servantes et serviteurs de Dieu. Et comment lui-même, postérité, nous, monde qui vient avant nous, parce que, pas oublier, non, et nous dit, l'or servi bon Dieu, c'est moi et ma maison, nous servirons l'éternel. C'est moi et ma maison. Et c'est pas que vous-même vous servez bon Dieu, puis qui veut dire petit tout lui-même, il parle des affaires bon Dieu. C'est tout soin ça qui veut dire Abraham a pris le soin qui veut dire pour la montrer Isaac. Et bien premièrement, il choisit un serviteur qui Abraham choisit un serviteur qui est fidèle tout. Il y en a ancien. Mais là nous parlons des anciens de très souvent, pas oublier non, la Bible parle de anciens.
et nous anciens pas veut dire monde qui plus âgé. Et vous même mais c'est serviteur qui veut dire qui digne de confiance là. Est-ce que nous là avec moi? Ou même et serviteur comme si d'adou qui non, qui placer nos positions qui privilégiées comme si qui l'église a fait mettre la bien, c'est lui même, c'est lui même, c'est lui même de même que nous même. Là parler d'ancien, je pas dire monde qui plus âgé. Mais c'est monde qui et l'église a fait mettre la bien et qui là et qui là au bon bout de temps, c'est lui même nous considérer qui veut dire comme ancien. Et deuxième acte nous remarquer, les frères serviteurs fait un serment. Parce que et Abraham pas décidé, Abraham pas joué avec décision qui veut dire et qui va le prendre. Parce que son décision est importante. Et même son bagage sérieux. Et bien par contre, il est obligé de faire serviteur à prêter un serment. Et donc Abdo, parce que serviteur a une responsabilité sous dol. Et si Abraham lui-même pas là, et bon Dieu t'a dit à prendre, serviteur a une responsabilité pour le conduire et évidemment, et j'ai Abraham demandé là pour le conduire, c'est ça que fait forcément. Bon Dieu bien, résolvez, c'est ça que fait, il permet à ce qui veut dire, c'est moi ça fait. On a allé plus loin. C'était une décision qui était très difficile pendant nous parler dans le chapitre, pendant nous parler. Décision pour s'inviter à aller chercher une fille. Non, et bien au côté bien loin. S'inviter en doute, ça qu'on est suffisamment d'accord pour venir. Mais les gros bagages qui sont importants, là, arrivent dit nous dans le chapitre là. Ils ont bon. Et Abraham a confiance dans bon Dieu. Il fait bon Dieu confiance. Puisque son serviteur de Dieu lié, il fait bon Dieu confiance, puisque la parole prend une décision, un bagage qui bon Dieu prend plaisir la donne, et bien par contre, il assure le serviteur, que bon Dieu qui l'a servi, a mené évidemment à bon port. Bon Dieu qui l'a servi, a mené évidemment à bon port. Et c'est ça que qui veut dire. Nous besoin connaît tout. Nous la Bible dit nous capable faire projet mais monde qui vont faire réussir projet c'est l'Éternel. Et bien effectivement nous serviteur à les déplacer mais les déplacer avec des richesses considérables la même. Et c'est moi-même où il y a rempli mission qui au Bali. Et l'élevé, c'est pour accomplir mission, et mission de accomplir bien. Eh bien, raison qui nous avons tourné dans deux raisons que nous avons citées, c'est que bien aimé, en pile là qui veut dire nous dévier, qui veut dire. Comme étant serviteur, comme étant servant de bon Dieu, nous dévier. Et par contre, tout puisque nous dévier et de promesse de bon Dieu, de nous dévier comme si la volonté pour nous accomplir, volonté nous pour nous accomplir, devoir nous envers bon Dieu, nous dévier là-dedans nous. Et puis même postérité nous, il y a payé conséquence là. Vous voyez? Postérité nous, il y a payé conséquence là. Mais Abraham lui-même, comme il y a un servant nous, sur d'où, ça veut dire, les promesses qui fait, promesses ça, c'est promesses côté, et c'est plan salia qui a cheminé, mais plan salia qui veut dire, et le plan salia, Isaac n'a pas besoin de prendre n'importe qui pour l'en faire avec lui. Ouais, c'est ça que ça a parlé de, et de mariage, moi-même, si c'est les chapitres là, ça m'a révélé, le mariage chrétien. Parce que, et pas oublier non, bon Dieu relé Abraham sont mis à part en quelier. Mais par contre, Isaac, tout qui parle héritier pour mes pas sont mis à part en quelier tout. Mais ils sont mis à part par les droits qu'on a fait à n'importe qui monde. Eh bien, les femmes cananéennes qui veut dire, monde ça n'a pas de compte, bon Dieu. C'est le monde qui a adoré des idoles. Abraham a pris précaution. Pour que petit qui va marier, pour Isaac pas marier avec fils, alors qu'il ne pas détourner de la loi de Dieu. Est-ce qu'on l'a avec moi?
Amen. Dit bien, est-ce que vous me besoin que vous là autant de samadou là. Et je vous dis à nous que nous en pile dans nous-mêmes font pas être bon erreur. Amen. Et c'est pour nous capable tirer des leçons de Abraham qui veut dire la décision qu'il fait. Et puis erreur vini en pile dans nous-mêmes nous fait erreur puisque nous pas connait mon Dieu. Puis si nous avons n'importe qui monde, nous devons amener n'importe qui monde devant porte nous. Nous d'accord. Est-ce que nous d'accord. Mais pour le chrétien, puis si nous devons amener n'importe qui monde vient devant porte nous pour tolérer. Nous amener le monde dans. Est-ce que parce que il dit et si nous tournons non et deuxièmement les symboles le monde hein, et en deux chapitres là et bon Dieu retiré Abraham ça veut dire dans le monde dans notre famille comme si papa et maman côté t'as pas adoré des idoles est-ce que même Kounia et une seule famille bon Dieu mais le pas le petit tri à le demeurer là pour aller adorer des idoles la musique à fond mignon de symboliser le monde même là les tirer nous jouons des faits nous jouons faire positif là dedans nous jouons faire négatif le faire positif il prend et il parle pour femme dans famille pour Isaac avoir mal pour parle pour fille dans famille pour Isaac en autre terme l'attitude pour le marier c'est avec la famille l'église là il doit marier amen. Il n'y a pas de marier avec étranger. C'est ce même. Étranger pour nous-mêmes, c'est tout le monde qui peut reconnaître Jésus-Christ. Il est étranger pour nous. Alors, Abraham a évité que Isaac marie avec un étranger. La première dit avant, oui. Amen. Les Caraméens, ils sont étrangers pour Abraham. Moune dans la famille qui veut dire, les nous prenons dans la partie qui est négative là, ils symbolisent le monde. Ça veut dire qu'il y a Isaac à l'habiter là, même genre autrefois, Abraham devant l'adorer les idoles là, ils vont l'entraîner pour l'adorer les idoles tout. Oh. Et c'est pour être sali 18 ans, ou pas le confier, ou même dans le pays pour mettre ça, mais Isaac a eu la déplacer pour la chercher. Et puis il dit, faites attention, Isaac a eu la déplacer pour la chercher. Bon, même, c'est là où besoin de tirer des leçons à soi, dans le chapitre, ça a été nous soutenir là. Ou même venez vous dire qu'il y a si vous nous pleuvez, ou même ses servantes, serviteurs, mon Dieu, ou besoin de conduire lui, ou besoin de conduire petit tout. Ma contre, ça, on va le faire. Est-ce qu'on va peut-être vous poser une question, on va le dire, on va le dire, on va le marcher selon le dos. Mais ou même qui est une opportunité, ou bien si vous nous pleuvez. Ça, c'est un grand monde, ou bien une priorité pour prêcher l'évangile, et même laisser pour annoncer, pour dire, faire attention, parle pour le monde qui est dans le monde. Est-ce qu'on va et bien que je ne vous dis pas, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais besoin de que je vais vous dire que je vais vous dire même vous dans l'église et fait bêtise, mais ça m'a dit. Si vous dans l'église fait bêtise, mais le monde a fait plus de bêtises toujours. Ça veut dire si petit vous avez rencontré problème avec vous, si vous dans l'église, petit vous avez rencontré problème avec lui, mais deux heures, il y a la pire terrible toujours. Faites attention. Plutôt choisir un qui dans l'église là pendant la sainte parole, bon Dieu, il va changer. Mais ça, dehors, il va changer. Amen. Vous besoin de tirer ça comme leçon, parce que là, nous courir et dans Philippe, dans 2 Corinthiens chapitre 6, et dans le verset 14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Est-ce que là avec moi? Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il veut dire, les Cananéens, qui veut dire, c'est ténèbre. C'est une nation, bon Dieu, pour exercer son jugement contre eux. Et il n'y a pas voulu que... Abraham parle, Isaac a tombé dans le piège là. C'est vrai. C'est ça que c'est allé, là, les voués serviteurs à chercher, qui veut dire Rebecca, et bien loin. Et on lui dit, quel accord y a-t-il en Christ et Bélial? Et quelle part à la fidèle avec infidèle? Il dit, quelle part à le fidèle avec les infidèles? Il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles?
Il dit car nous sommes, hein, dit, nous sommes le temple du Dieu vivant. Et ce point, il dit comme Dieu l'a dit. Deux Corinthiens chapitre 6, hein, le verset 14 hein, et verset 16. Je ne me dis pas où besoin de précaution. Ou même garder le petit, ou besoin on va choisir un fil pour lui, non? Mais ou une belle orientation à diriger. Mais dans le temps passé, c'est passé à parrain qui te fait accord pour petit. Comme tout ça. C'est vous-même qui te fait accord pour petit. Et n'a gardé accord à Abraham, non? Abraham vous cherchez petit fils là. Abraham te donne, c'est pas bien des besoins. Mais bah yo te vin tout, bah yo vin tout en haut, grand pile monde qui fait accord au petit Dieu, là yo moun gen bien, yo besoin petit Dieu marié à moun qui bien. Mais Abraham te besoin pour petit simplement te marier avec yon femme pieuse, genre yon non servante, je te dis non. Yon moun là qui gen la crainte de Dieu. Est-ce que vous c'est ça le te besoin. Ou besoin petit ou marié, quel que soit tes fils, tes garçons, ou besoin petit ou marié avec un monde qui est dans l'église, un monde qui a servi bon Dieu, un monde qui reconnaît Jésus-Christ comme sauveur et qui a la crainte. C'est ça, c'est ça nos besoins, je viens vous dire. En dehors de ça, ça veut dire, lorsqu'on mourit, le petit ou va accomplir tâche, là, il va accomplir promesse bon Dieu, donc il va arrêter notre travail, ou même ou bien on va faire pour le Seigneur, qu'il est tes garçons, qu'il est tes filles. Et c'est un plus gros honneur que vous êtes capable de bénéficier. Vous peut-être que je vous dis, vous pensez honneur pour vous, c'est les petits qui apprennent toute qualité de métier, et puis la plus jeune bon travail, la fait la plus jeune bon travail, la fait gros l'argent, jeune bon travail. Ce n'est pas honneur au serviteur, mon Dieu. Honneur au serviteur, mon Dieu. Honneur, excusez-moi, je vais vous la parole encore. Oui. Honneur au servant, mon Dieu, c'est les petits tout pour aligner pour la servir, mon Dieu. Amen. Vous c'est ça nous, c'est ça nous jouons dans le chapitre ça. Est-ce que vous et nous jouons là encore, le serviteur Eliezer, il fait attention, que Abraham voyait faire attention. Puisque l'on ne connaît pas, il veut dire, l'on ne va pas finir bien vie, en tant que serviteur, bon Dieu, que vous servez, bon Dieu, ou de prier. Le serviteur, il prie, bon, il prie le Seigneur, les livres vont prier, il prie, de façon à ce que pour l'éternel diriger, évidemment. C'est-à-dire, ou même, ou bien doit faire des projets, on a fait coup d'œil dans Proverbe chapitre 16, verset 1er, ou bien doit faire des projets, mais on faut prier l'Éternel pour diriger le projet. On nous garde dans Proverbe chapitre 16 et le verset 1er, qui ça la parole de Dieu déclarée. Et il y a une servante qui vient Bible, mais on est capable de lire pour moi, pour Proverbe chapitre 16, dans le verset 1er. En avancé, pas arrêter dans route, parce que nous avons plusieurs, les ADI a fait nos défauts là, à la guerre, mais nous avons plusieurs petits barrières pour nous parler avec vous. Et puisque moi, on prend le temps, m'appeler pour vous, il dit, les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Est-ce que vous l'avez compris? Il dit, la réponse que donne la bouche hein, vient de l'Éternel. Ça veut dire, vous êtes capable de faire projet, c'est vrai. Mais, qui veut dire, c'est l'Éternel lui-même qui va le faire, réussir le projet. Et nous venons le proverbe encore dans le livre proverbe là, proverbe 19, hein, dans le verset 21, nous allons aller le bout. Et dans le verset 21, mais ça le dit, il dit comme ça, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça veut dire, oui, et oui, Abraham a un projet, et projet, Abraham connaît promesse là, ou même je ne vous dis, ou connaît promesse là. Promesse là, non, mais on connaît petit tout, on va pas marier avec le monde. Ah, mais on doit, depuis qu'on y a, pour propre caution. Ou même qui est petit jeune fille, pour pleurer, ou même qui est petit jeune garçon, pour pleurer, depuis qu'on y a pour propre caution. On connaît déjà grand, déjà fait outre. On va prier seulement le Seigneur pour le Seigneur lui-même capable à le prendre et de yoa, qui veut dire pour le mener au la caille. Et comme on a prié, nous, on a prié à la servante là, t'es dit, il a prié l'Éternel parce qu'il dit, si papa va attirer, pour bon Dieu, pour l'esprit bon Dieu capable d'attirer. Est-ce que vous pour le Saint-Esprit capable d'attirer, pour être capable de venir bon Dieu. Mais si on a un amour qui pique toujours, pour besoin diriger, pour besoin conduire. De façon à ce qu'il veut dire, il y a même une priorité dans la maison, la caille, bon Dieu. Et c'est ça, et serviteur Abraham, lui-même, il a pris le soin pour Isaac,
Donc, non seulement pas marié avec une femme qui va le troubler la paix. L'on marié avec un monde qui dans le monde lui troubler la paix. Il détournait de la voix de Dieu. Mais je ça. Il détournait de la voix de Dieu et il troublait la paix. Parce que nous passons même ligne. Et puis devant voir ça, ça arrive Salomon. Et ça arrive tant d'autres serviteurs encore. Au même. Et nous continuons dans ce chapitre-là pour nous voir. Et on nous garde qui veut dire Kounia, on nous garde Rebecca. Et on nous garde Rebecca qui joue avec serviteur. Et au geste hospitalier, veut dire hospitalier. Parce que nous-mêmes, nous avec Rebecca très hospitalier. Serviteur a fini prier l'Éternel. Et puis c'est comme ça, Rebecca paraît. Et nous jeunes Rebecca qui est très hospitalier. Et la Bible fait mention, il dit Rebecca sont très belles jeunes filles. Puis nous j'ai dit, en très belle jeune fille, pour nous, elle va même nous connaître. Elle va tirer de l'eau, lui. Oh, il fait ça. J'aime que nous, nous, je suis pour hospitalier. Il y a un bon Dieu pour hospitalier, pour très hospitalière. Jeune garçon, pour très hospitalier. Mais nous, même, pour accueillir le monde, pour apprendre à accueillir le monde. Nous, nous, besoin d'apprendre mieux, bagaille, ça. Et puis, le jeune Rebecca, il tire de l'eau. Et bah il s'invite à et nous voilà c'est pas un geste très masculin pas oublier je fais mention et des 10 chameaux je fais des mentions des 10 chameaux on compte combien de litres d'eau un chameau boit un seul chameau boit 70 litres d'eau ça veut dire pour une tirer de l'eau bah 10 chameaux. Est-ce que nous là avec moi? Ouais, c'est pas mon simplement tâche facile, une petite tâche facile et geste Rebecca faire. Mais comme nous te dit tout, et bon Dieu conduit projet yo. Bon Dieu conduit événement yo. Eh bien, là on a erré, qui veut dire dans la voie de Dieu, ça veut dire bon Dieu mais a mené au port que vous désirez. Eh bien, lui faire réussir projet yo, Jean que Abraham lui-même était venu là. Et qui te dit, lorsque c'est serviteur bon Dieu, ou fait bon Dieu confiance, eh bien, ça veut dire, projet qu'on gagne qui n'a volonté bon Dieu, l'éternel a fait réussir au bout. Est-ce que vous comprenez? Et, tendez bien, tendez bien sa serviteur, elle avait expliqué famille et Rebecca, dans verset 40 là, parce que je ne pas de temps, dit toute bagaille. Il dit, il m'a dit, et alors, j'ai toujours vécu selon la volonté de l'éternel. Et il enverra son ange avec toi. Il fera réussir ton voyage pour que tu trouves une femme pour mon fils dans ma parenté. Est-ce que là avec moi? Est-ce que c'est Abraham qui te fait déclaration ça? Oui, ça veut dire qu'on a volonté mon Dieu et mon Dieu fait réussir pour aujourd'hui. Mais tout projet pas dans la volonté mon Dieu, on a des problèmes. Il y a difficile pour réussir, mais on a des problèmes. Si on a manqué réussir, puis devant, on a des problèmes. Puisque il n'y a pas la volonté mon Dieu. Est-ce que vous Et par contre, on va pas parler de réussite. Et bien, c'est comme ça nous est dans le chapitre là. Eh bien, et serviteur a réussi le projet là. Et puis, il entend ni avec les parents et de Rebecca, Jean-Noël Sobdia. Et n'entend ça, c'était monsieur qui était prend décision en un caillou. Et spécialement, qui veut dire. Premier né qui est dans la maison, laissez garçonnier, c'est lui-même qui prend décision pour maison. Et c'est ça que fait, il a cité nos deux mondes seulement. Et vous même, il a cité Laban. Et Laban lui-même, c'est le neveu d'Abraham Gélier. Ça veut dire, c'est lui-même qui était premier né comme garçon. C'est maison, c'était sous contrôle de lui. Et vous même. C'est comme ça que dans le temps Abraham. Et vous-même, ça veut dire, c'est la décision fin de prendre, il y a des dames au courant. C'était comme ça qu'elle était. Bon, nous, et coutume à l'époque, c'est comme ça qu'elle était. Et vous-même. Et puis, l'autre bagaille, nous, est dans ce chapitre-là, que je suis allé, si je parcouru, dans le verset 52. Et à continuer, nous, c'est Vitea, il n'y a pas perdu de temps. Ça, oui, il a le fait, c'est mission, oui, il a le fait. Il vient de dire pour le chita, pour le manger. Il dit non,
m'a pas le courir manger mon mission là même là c'est mon mission vinn fait avant me fait toute bagarre c'est pour me démission ou même mon besoin connait les voyons en mission je va voir le fêter venez me dire il y a des monde qui a une mission pour l'éternel c'est dans vacances là aller là bien en plage il fait toute qualité bagarre il va visiter tout site qui gagne il dit c'est dans mission là est-ce il visiter tout site qui gagne dans zone là est-ce moi même et bien, il dit c'est ma mission là. On a erré. Si vous comprenez, ça c'est missionnaire, ou allez dans la promenade. Vous allez dans la promenade. Et vous-même, c'est la promenade ou allez dans la mission. Et attention, les vous dans la mission, vous allez exécuter exactement ça que l'éternel va exécuter. Si vous allez dans la mission pour chercher les âmes perdues, c'est les âmes perdues, l'éternel va aller chercher. Il va vous aller visiter le site. Il va vous aller visiter la citadelle, la ferrière, et les palais du roi Christophe. Et vous-même, c'est pas mal que vous allez visiter. Vous même, vous allez à la mission pour aller racheter des noms, pour aller prêcher l'évangile. Et ça vous fait. Eh bien, nous ne connaissons pas si y a une dernière question pour moi, jusqu'avant pour nous halter, pour nous terminer à la gloire de Dieu, nous ne connaissons pas si y a une question pour moi. En avance. Pasteur Wilner, ma demande pour qui ça que, est-ce que vous avez raison, on va voir la Bible là, tel tout. Qui fait Isaac pas t'aller avec c'est pas Isaac qui t'a le chef fille pour contenir c'est un manque de confiance ou bien dit pas il dit pas de Isaac t'es mal choisi ou bien moi dis moi sous ta porte attention avec moi moi relate deux faits qui très important il dit piga Isaac choisi piga et serviteur choisi une fille parmi les femmes cananéennes pour Isaac. Ça me connaît, mais... Et deuxième fait, il dit, Isaac, pigal mené Isaac, dans le verset 6, il dit, garde-toi bien de ramener mon fils. Et là-bas, et lui dit Abraham. Et souvent, il dit, garde-toi. Il dit, fais attention, pas mener, là. Il dit, qu'elles sont mignons, oui. Parce que, c'est bien oui, il dit l'Éternel, le Dieu du ciel, et qui m'a fait quitter ma famille et le pays où elle s'était établie. Ça veut dire, bon Dieu, fait quitter le monde. Pas oublier la famille d'Abraham, mais d'avoir adoré les idoles, nous tous ça déjà. Il parle pour Isaac de passer par le droit, pour lui envie, pour lui le droit, pour lui corrompre. Ok. Ah ouais. Owen. Il dit pas même le bois, elle choisit ce qui a même ce qui a venu. Elle déjà prié l'Éternel pour l'Éternel faire pour y arriver ici. Nous sommes tous ça dans verset 38 à Léo, mais sauf les parties à vous. Et nous même, il déjà prié à boire l'Éternel, et l'Éternel pour faire pour y avoir ici, et pour mener ce qui a venu. C'est ce qui a pour venir, parce que Kounia, et pour que. Et Isaac parle l'autre bois pour l'habiter l'autre bois, puis le corrompir, puisque c'est promesse là, c'est la même promesse là, et bon Dieu a fait, c'est l'idée, et la promesse a commencé dans le pays de Canaan. Et c'est là la vie achevée aussi dans le pays de Canaan. Bien que Israël vient pour quitter Canaan, à un certain moment donné, mais la retournée vient achever pour promesse là dans le pays de Canaan. Est-ce que vous ok. Pas ça, Wilner. Vous connaissez jusqu'à présent, même coutume, ça a continué aux Indes. Indiens, c'est comme ça, ils choisissent. C'est parents qui choisissent. Oui, c'est parents qui choisissent pour petit. Pour petit, tu vois. Et puis, le plus souvent, ils vivent. Eh bien, bonjour. Ils vivent jusqu'à la mort. Eh bien, raison bien, hein. Nous-mêmes, les hommes, nous pas respecter la loi, nous pas respecter les principes de Dieu. Mais en plus, le monde d'ailleurs, qui veut dire là-dedans, respecter les principes coutumes de Dieu. Est-ce que vous voyez? Ok. Une fois que vous finissez, à faire beaucoup de fiers à vous quitter pour vos plaisirs, là, ou pas capable. Parce que y aurait la loi pour contre tout. Et si il y a aussi tout, pas qu'à prendre décision pour dire à se séparer de vous. Nous allons mettre au côté l'Éternel font comparaison dans Jérémie, soit dans Jérémie, soit dans chapitre 33. Une famille qui vient habiter
une famille qui vient habiter, attendez bien, une famille qui vient habiter en Israël, mais parce qu'elle vient habiter, il va gagner comme si héritage en Israël. Et puis descendant famille ça, il dit puis là où j'aime du vin. Et okay. Ils invitent monsieur ça comme si parmi les grands festins, ils dit pas boire du vin. J'étais là pour un exemple de eux-mêmes pour montrer comment les hommes qui veut dire obéir avec la loi des hommes, mais Israël qui c'était petit enfant qu'elle choisit, peuple qu'elle choisit pas obéir. En plus, nous laissons comme ça nous relier. Et toujours, pendant ma douceur, même là, nous dit, nous jouons quelques négations, les cailles, l'autre peuple, mais il y a des coutumes qui me très appréciées, la caille, parce que petit, petit, parce que il sous-compte par l'année. C'est ça par l'année qu'il fait, c'est lui-même qui fait. Parce que moi-même, juif là, c'est comme ça le servit tout. Il n'y a pas qu'à dévier, c'est ça par l'année qu'il fait, c'est lui-même qui fait. Je voulais dire, nous avons établi le principe et bon Dieu, bah, nous, en un cas là, nous-mêmes. Pour petit, nous suivre, nous. C'est ça le besoin pour nous faire. En avance, bon Dieu bénis nous. Amen. Bah, on est, si bien. Là, on va essayer l'autre question toujours. Si il y a une question, et si il y a une question, elles sont bonnes. Qui ça nous finit par remarquer, bon Dieu fait réussir pour GA. Et puis, nous regarder, nous, en levant les yeux, ça c'est beaucoup de net. Elles sont bonnes. En levant les yeux, qui me dit, Isaac, lui-même, qui a médité. Parce que, il y a raison pour Isaac méditer. Parce qu'ils ont grand pile bien devant, ils ont pile responsabilité à prendre. Mais c'est ça que ou même les jeunes aujourd'hui, qui sont des responsabilités pour l'Éternel, on va pas méditer. Parce que la Bible parle de la méditation de la parole de Dieu. Vous comprenez? Isaac a médité pendant la belle dit, pendant Isaac dans le champ qui veut dire la méditer. Parce qu'ils ont grand pile troupeau devant lui, un pile bien devant lui. Et une décision de mariage qui est pour le point, faut une méditation. Est-ce que c'est pas d'accord avec bien aimé? Faut une méditation. Et vous-même, en tant que monde qui est responsable. Eh bien, qui veut dire? Et jeune fille ça arrive dans la famille, Kabaram. Mariage pour qu'on fête et qui côté lui établi c'est capable de mariage. Eh bien, c'est à nous. On va comprendre mariage. On va des paroles là, on va comprendre. Mariage a été fait depuis parents laissent aller. Parents font déclaration. Ils disent puisque c'est comme ça l'Éternel le chapitre là bien, on voit parce que nous pas saisi parce que le chapitre est tellement long, gens qui et selon un tab dit nous, est-ce que moi, puisque par an déjà laissé l'aller, et puis lui mettait l'Éternel là-dedans, mariage est en fait déjà. Mais comme gars, on va là, c'est ça que fait, moi, m'a dit ça. Et puis, ça vous nous découvre encore, et puis lorsque le mec a levé, lui, le jeune garçon a venu, le premier geste qu'il fait, il couvre le visage. C'est bon show-off, il ne peut pas le faire. Comme si pour la paix, il va tourner ma suivi. Ouais, parce qu'ils sont belles dames, mais pas tourner ma suivi. Je veux dire, il y a des gens qui ont calé quoi, et je m'en jeune garçon pour eux, et jeune garçon qui a mené pour, tu vas le présenter en mariage. C'est calé ou t'as calé quoi, non, il couvre le visage. Et je m'en mène. Parce que c'est pas moi à faire ma suivi. Et je m'en mène. Et puis, la Bible dit, et c'est ado, je suis bien content de poser des questions, ils allaient pour une jeune fille, lui menait dans la tente que maman de habiter avec plein de respect. On dit qu'ils habitent ensemble. Bon Dieu béni, nous voulons que les habitent là. Et il dit alors, dans le verset 61, elles sont bonnes, mais je ne vais pas caler tout. Il dit alors, Rebecca et ses servantes se levèrent et montèrent sur les chameaux
puis suivant le serviteur. Tenez bien, oui? C'est ainsi que le serviteur emmena Rebecca avec lui. Isaac était, et verset 62, Isaac s'était établi dans la région du Negev et il revenait de la pluie de la Shoror. Pour se promener, levant les yeux, il aperçut au loin les chameaux qui venaient vers lui. Rebecca aussi leva les yeux, elle vit Isaac. Est-ce qu'on l'a même? Il dit, et sauta et abat du chameau. Elle demanda au serviteur, qui est cet homme qui vient à notre rencontre et dans la campagne? Le serviteur répondit, c'est mon maître. Puisque, pour qui ça répond comme ça? Puisque, Isaac, c'est l'enfant de la promesse, ça veut dire, petit, Abraham, non, c'est lui-même qui met, il s'est mettre maison, hein, et serviteur à tout, lui, il a voulu servir. Est-ce que vous comprenez? Il dit, alors, elle prit son voile. Et se couvrit le visage. Est-ce vrai? Et puis, il dit, le serviteur raconta à Isaac hein, tout ce qui avait été fait là-dessus. Isaac a conduit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il l'a pris pour femme et il l'aima, son gros causé. Est-ce que vous comprenez? Et il l'aima, c'est ainsi qu'il fut consolé de la mort de sa mère. Ça veut dire, mariage a déjà fait, ça c'est à nous. Puisque et parents étaient d'accord comme si pour vous, jeune fille, à aller, ça veut dire son mariage qui est déjà fait. Et je ne vais même pas oublier, non, il n'y a pas fait mention d'aucun parent qui est déplacé, parce que c'était levé de l'Éternel, et Abraham fait le genre l'Éternel voulait là, parce qu'il a dit, Pigal profite parmi les femmes du Cananéen, et Pigal retourne dans le pays, mais Abraham fait le conseil, accomplit la volonté de l'Éternel, mais l'Éternel lui-même lui accomplit le projet Abraham. Et puis pour qui? Pour merci fait en Abraham, non, pour capable accomplir en Isaac, et pour blesser ça lui-même, il va continuer à accomplir en Jacob. Pour qui ça en Jacob? Et Jacob, tout par ce même travail-là que Esaïe lui-même passait, parce que Esaïe devient de la voix de Dieu, parce qu'il prend une fille parmi les femmes cananéennes. C'est bon Dieu, pas d'accord, et ça veut dire qu'il décide la famille. Non. Mais Jacob lui-même qui veut dire pour aller chez la banque, il va chercher une femme. Mais bon Dieu bénis-nous à soi, mais espérez que vous-même qui êtes en des méditations à soi, petit tout à pleuver, je ne vous dis pas, ou même qui c'est femme chrétienne, ou même qui c'est père chrétien, vous besoin de conduire petit tout, vous besoin de direction pour dire, et il n'y a pas en affaire avec les gens qui dans le monde, les gens qui ont jazz dans le monde, les femmes qui ont marché bishop de talon qui sont dans le monde, qui va, et vous c'est à mon état, il va bien la paix ensemble avec vous. Il va bien la paix ensemble avec eux parce qu'ils n'ont pas dans la même ligne ensemble avec lui. Et ils ont besoin dans la même ligne avec lui. Ils ont besoin de ces mondes qui comptent mon Dieu. Bon Dieu bénis nous. Amen. Mais c'est la nourriture. Nous demandons à nous, il va continuer dans la prière et nous allons prononcer la bénédiction à la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous disons merci pour ça avec elle fait nous. Pour servir lui spécialement, qui te prend tout le temps, tout désir, pour te faire émission ça, pour te capable d'enseigner nous des choses qui passent longtemps, que nous ne connaissons pas dans la Bible, et même que la Bible amène nous tout le temps, mais nous ne connaissons pas tout le bagage ça. Nous venons connaître le bagage pour nous respecter la promesse de bon Dieu. Et tout ça, n'a fait pour ce bon Dieu qui nous devons la donner. C'est le bon Dieu dit oui, nous-mêmes, pour nous dire oui tout. C'est pas là, nous faisons faire bagaille pour bon Dieu, pour nous, pour nous demander bon Dieu, est-ce que ça bon? Là, ça bon Dieu pas bon pour nous. Alors, nous disons, bon Dieu, merci tout pour tout le monde qui te prend disposition pour te rester dans l'école là, pour te apprendre. Et son grand étude qui fait, qui bénit l'homme chacun de nous, qui est dans le moment ça. Bon Dieu, continue à bénir nous, la continue à élargir l'évangile dans nous-mêmes pour nous capables de servir plus bien, pour nous garder plus d'intelligence, plus compréhension. Et il y a des gens qui sont là dans le moment ça, qui peuvent le déplacer, qui peuvent prendre la vie, qui le travail, bon Dieu capable de prendre soin. Et il y a des gens qui ont fait le travail, qui peuvent entrer la caillou, bon Dieu capable avec eux. Bon Dieu, bénis soirée ça. Pour nous toujours continuer à attendre bon Dieu, à suivre marche bon Dieu,
pour nous-mêmes demain, pour petit nous capables bien sortir, pour nous capables méditer sur tout bagage ça et pour nous tomber continuer tout parce qu'il y a bon pour nous. Nous disons merci. Nous prions, cher Seigneur, c'est pas bon, nous bon, mais nous prions dans le nom précis de Jésus-Christ, qui vive et qui est au siècle des siècles. Amen. Amen. Apocalypse 3, verset 11. Voici, je viens bientôt. Retiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Maintenant que la paix, la grâce et la douce communion du Saint-Esprit soient demeurés dans les cœurs de chacun de nous, dès maintenant et éternellement. Parce que bon moment, que bon Dieu bénisse, c'est ton plaisir pour nous être avec vous. Que bon Dieu bénisse. Je bénisse tout ce que tu as fait, madame.